la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus partit avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Or, Judas qui le livrait connaissait aussi l'endroit, car Jésus s'y était souvent retrouvé avec ses disciples. Donc Judas, prenant la cohorte, ainsi que des gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, arrive là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Il leur dit: c'est moi. Et Judas qui le livrait était là avec eux. Quand Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent sur le sol. De nouveau, il leur demanda: « Qui cherchez-vous ?» Ils dirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » C'était afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite: « Ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, je ne la boirai pas. » Alors la cohorte, les tribuns et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le ligotèrent. Sauveur du monde.
menèrent d'abord chez Anne. C'était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'était Caïphe qui avait donné aux Juifs ce conseil. C'est votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Cependant, Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Pierre resta dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit, dit un mot à la servante, et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Es-tu, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient près d'un feu de braise, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre aussi était avec eux et il se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Eux, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligotée au grand prêtre Caïphe. Nous souvenons, Seigneur, de ton jugement.
Cependant, Simon Pierre était en train de se chauffer. Il lui dit : Es-tu toi aussi de ses disciples ? Il nia et il dit : Je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, reprit : Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Encore une fois, Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Alors Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, mais il n'entrait pas au prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Alors Pilate sortit au dehors pour les rencontrer et il dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra au prétoire, il appela Jésus et lui dit : Tu es le roi des Juifs. Jésus lui répondit : Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif ? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?
Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mais j'en combattrais pour empêcher que je sois livré aux Juifs. Mais non, mon royaume n'est pas ici. » Pilate alors lui dit, « Donc, tu es roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voilà pourquoi je suis né. Voilà pourquoi je suis venu dans le monde. » C'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité entend ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et sur ces mots, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif d'accusation, mais c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et alors, tous se mirent à crier, « Pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Nous souvenons, Seigneur, prit Jésus et le fit flageller. Et les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête. Ils lui mirent un manteau de pourpre et il s'approchait de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il le giflait.
Pilate retourna dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif d'accusation. » Alors Jésus vint au dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Nous souvenons, Seigneur, de ta passion glorieuse. Nous te prions, les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils se mirent à crier. En croix, en croix. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve en lui aucun motif d'accusation. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il s'effraya davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne me parles pas, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te crucifier et pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. » S'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, en entendant ces paroles, amena Jésus au dehors.
Il s'assit dans son tribunal, à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors, ils crièrent, « À mort, à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César !» Alors, il leur livra pour être crucifié. Nos souvenirs, Seigneur, portant lui-même sa croix, il sortit en direction de l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent. Et avec lui, deux autres, un à droite, un à gauche, et au milieu, Jésus. Et Pilate fit un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville. Et c'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Alors, les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, n'écris pas, roi des Juifs, mais que cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs !» Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit,
écrit. Nous souvenons. Après avoir crucifié Jésus, prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat, puis la tunique. C'était une tunique sans couture, tissé tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura. » C'était afin que s'accomplît la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Cependant, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, ainsi que la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Alors, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, Femme, voici cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Nous souvenons. Thank you.
après cela, sachant que désormais tout était accompli, afin que s'accomplit l'écriture, Jésus dit, je sois. Il y avait là un vase plein de vinaigre, fixant donc une éponge pleine de vinaigre à une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est accompli. Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et pour ne pas laisser les corps en croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc, ils brisaient les jambes du premier, puis du second qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais d'un coup de lance, un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui a vu a témoigné, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Or, ceci arriva, afin que s'accomplît l'écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore,
regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, qui naguère était allé de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourait de bandelettes avec des aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, au lieu où il fut crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait été mis, en raison de la préparation chez les Juifs, et parce que le tombeau était proche. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Dans la